Ou t'as aimé qu'on doit adhérer dans la santé, ou t'as aimé vivre en bonne santé, ou bien, ou t'as aimé protéger tête, famille, amis, voisinage et la fille. Bien qu'on prend devant, viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sous bigro télévision digitale dans le moment qui c'est Web COVID TV. Chaque samedi, sauté 8 ans sur les pays d'Yézim, et 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépasser chaque lundi dans le même l'air. Espace Santé et Vie, c'est émission PAM. C'est PAM, c'est PAM tout. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Ou t'as aimé qu'on doit adhérer dans la santé, ou t'as aimé vivre en bonne santé, ou bien, ou t'as aimé protéger tête, famille, amis, voisinage et la vie. Bien qu'on prend devant, viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sous bigro télévision digitale dans le moment qui c'est Web COVID TV. Chaque samedi, sauté 8 ans sur les pays d'Yézim, et 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépasser chaque lundi dans le même l'air. Espace Santé et Vie, c'est émission PAM. C'est PAM, c'est PAM tout. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Ou t'as aimé qu'on doit adhérer dans la santé, ou t'as aimé vivre en bonne santé, ou bien, ou t'as aimé protéger tête, famille, amis, voisinage et la vie. Bien qu'on prend devant, viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sous bigro télévision digitale dans le moment qui c'est Web COVID TV. Chaque samedi, sauté 8 ans sur les pays d'Yézim, et 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépasser chaque lundi dans le même l'air. Espace Santé et Vie, c'est émission PAM. C'est PAM, c'est PAM tout. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Ou t'as aimé qu'on doit adhérer dans la santé, ou t'as aimé vivre en bonne santé, ou bien, ou t'as aimé protéger tête, famille, amis, voisinage et la vie. Bien qu'on prend devant, viens discuter avec nous dans l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sous bigro télévision digitale dans le moment qui c'est Web COVID TV. Chaque samedi, sauté 8 ans sur les pays d'Yézim, et 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépasser chaque lundi dans le même l'air. Espace Santé et Vie, c'est émission PAM. C'est PAM, c'est PAM tout. On vive la santé, nous yon bel espace santé. La vie est dans la santé, non dans l'existence. Jodi a, c'est samedi 1er mai 2021. Il fait exactement 7h12 dans le pays d'Haïti, 8h12 dans le pays sud Brésil. C'est émission Paola, espace santé et vie qui entre la caillou. Prends ti chaise ba ou, rele famille, zanmi, vin assister émission ça. Parce que émission Espace Santé et Vie, c'est pral nan yon ti tan encore. Ou t'as aimé qu'on doit adhérer dans la santé, ou t'as aimé vivre en bonne santé, ou bien, ou t'as aimé protéger tête, famille, amis, voisinage et la vie. Bien qu'on prend devant,
Vin diskite ak nou nan espase sante e vi. Yon emisyon ki patrone pa AJAS ki se asosyasyon de jen haisyen an siyans de la sante. Ki pase sou pi gro televizyon dijital nan mouman ki se WebCorve TV. Chak samedi soti 8 aswe le peyi Brezil ak 6 aswe le peyi d'Haïti e la prepase chak ledi nan menm lè. Espase sante e vi, se emisyon PAM. Se PAM. Se PAM. On vive la santé dans un bel espace santé. Bonsoir tout le monde, bonsoir avec chaque grand haïtien qui a suivi nous tout partout sur la terre. Non pas c'est Asmara Saint-Til, présentatrice panon pour Asroya. Ma faire connait émission ça passé chaque samedi. Depuis le fait 8 p.m. dans les pays dans les sud pays Brésil. Et 7 heures dans les pays d'Haïti, sous le plus gros télé digital moment, qui c'est WebCorve TV. Et émission ça, l'est rediffusée chaque lundi dans même l'heure. Elle est disponible tout sur chaîne YouTube nous. Espace Santé et Vie, c'est une émission qui en bas direction Association des jeunes Haïtiens en sciences de la santé, AJAS, et objectif nous, se travay pou nou patisipe nan edikasyon pep haisyen yan sou sa ki gen pouwe avèk santi. E travay sa, li pata prive posib san prezan chagre nan nou. Se poutèt sa menm, espas santi e vi vle fè ou konen ke nou remè ou an pil. Mèsi pou prezan sou nan mouman emisyon yo. Mèsi pou komante nou. Mèsi pou pataj. Et travail ça, li patap ka brive loin sans support nous. N'a profite tout remercier chaque monde qui déjà pote aide yo ensemble avec nous. Et ou même qui poko fè ça, ou capable entrer en contact avec you nan nou ou bien ou contacter nous par email nous qui c'est santelavie748@gmail.com. Merci avec tout supporter nous yo. N'a di un gros merci avec sponsor officiel nou qui c'est Soleil Panneau Multiservice qui a fait un gros travail dans communauté haïtienne dans pays Brésil. Yon gros coquin chaîne merci avec WebCorve TV qui cède nous espace ça chaque samedi soir pour nous porter belle émission ça pour nous. Bon, à soya, li possible moi pa pou kote moi. Moi gen ensemble avec moi yon co-présentateur qui c'est Josil et qui t'a semblé pas trop présent pour moment bon a continuer puis la pour rejoindre nous au cours de route. Ah, bonsoir Josil, comment y est? Bonsoir Asmara, nous en forme la bouche nous kebela nous tight et bon en fait quand je suis là parce que pas de rater au cas pareil. Avec vous, c'est beaucoup plus intéressant que jamais. Donc, nous comptons pour avec le public là pour que nous soyons capables ensemble de travailler et partager avec vous connaissance que nous gagnons dans le domaine là, qui c'est et le domaine de santé que nous aimons partager, conseil sur lui. Très bien. D'accord, merci José. Nous sommes bien contents que vous rejoignez ensemble avec nous dans une belle émission ça. Et dans l'émission Espace Santé, nous avons avec nous aujourd'hui il y a un gros coquin chaîne invité qui c'est Docteur Samuel. Qui est Docteur Samuel? Docteur Samuel, c'est un généraliste, c'est un clinicien, c'est médecin d'urgence à l'hôpital d'Aquin. Docteur Samuel fait service social dans l'hôpital armé du Salut. Et actuellement, la fait yon master en santé publique. Bonsoir, docteur Samuel. C'est un honneur pour nous gagner avec nous à Asroya. Dis-nous comment y est, comment sentez-vous à Asroya pour la première fois participer à l'assemblée docteur Samuel Pokula. Et pendant que docteur Samuel a monté, et même avant que nous entrions dans le sujet, hein, Espace Santé et Vie, li vle kenbe ou informé sur tout ça qui a passé en dan AJAS. Li bay tèt li obligation pour répondre avec toute question qui pas de gen tan répondre dans l'émission qui t'est passée.
Dans sens ça, nous pral gen avec nous sous plateau a Yudlin Jean-Jacques qui pral présenter nous à Soya ti causer à Jazz. Bonsoir Yudlin, comment yé qui ça opote pour nous à Soya? Bonsoir Zmara, bonsoir Josil, bonsoir ensemble avec tout internaute qui suivent nous à Soya et qui vient pour suivre nous durant ce maintenant. Et pour moi qui vous connaît mieux, non pas moi c'est Yudlin Jean-Jacques qui n'a pas causé à Jazz ensemble avec nous à Soya. Bon, aujourd'hui, moi pral parler de contrôle toxique. Spécialement dans contrôle toxique là, moi pral parler sous tabac. Comment il est capable nuire santé nous et comment lier les ou utiliser il est capable nuire santé yon l'autre monde qui beaucoup. D'après OMS, tabac la cause en pile nan mort qui coûte environ plus de 8 millions de moun par année. Et dans 8 millions de moun sa yo, n'a besoin à peu près de 1.2 million qui c'est fumé passif. Je m'a parlé de fumé passif, m'a parlé de monde qui fumé. C'est un monde qui pas fumé et qui a vivre nos côtés ensemble avec un monde un côté qui ferme ensemble avec un monde qui fumé. Alors ou vin c'est tant que un monde qui fumé qui est le fumé passif. Après tabac là c'est un facteur de risque pour diverses maladies chroniques. Côté que me capable citer cancer et maladie cardiaque et MPOC. MPOC qui sont maladie pulmonaire obstructive chronique. Encore l'essayons facteur de risque pour développement infection respiratoire. C'est docteur à monter. Et puis impuissance et insuffisance sexuelle. Problème gastro-intestinal. Ça problème gastro-intestinal là, ça veut dire maladie qui attaque yon intestin jusqu'à zone anus. Et nous gagne ostéoporose. Ostéoporose là qui veut dire les moun nan gagne et yon fragilité nan zoli. Et nous gagne li capable causer cataracte. Les nous prend somme de ça yo, li bay 2.3 millions et moun ki mouri chaque année à cause de consommation et à consommer alcool dangereux. Ça correspond à 3.8% de toute mort qui gagnait dans monde là d'après OMS en 2019. Mais de toute la mort ça yo relationné ensemble avec MCNT qui c'est maladie chronique non transmissible. Côté mété et cancer maladie de appareil circulation et cirrhose hépatique. Cirrhose hépatique, m'vle dit côté que foie attaqué. Et consommation ça yo d'après OMS habitant yo et pas habitant yo vin piro nan côté pays qui gagne revenu très haut. Tabac la li se yon nan principal facteur de risque pour maladie chronique et non transmissible ça comme cette cité. Exposition tabac là côté yo mette chicha parce que yo vin inclus chicha la dan ou bien nagle associé avec un pile maladie circulatoire côté qui m'a cité pour nous hypertension, l'aim parler de hypertension après c'est tension haut AVC qui c'est accident vasculaire cérébral côté sans arriver ce qu'il est dans cerveau et les paralysie. Et puis n'a bien infarctus du myocarde côté que nous capable dit yon attaque cardiaque. Nous gagne cancer poumon, nous gagne cancer cavité orale dans bouche, nous gagne cancer œsophage, nous gagne cancer estomac, nous gagne colon, nous gagne vessie et puis nous gagne rein et puis nous gagne col utérus non. Et nous vinn gagne tabac là capable causer problème yeux côté m'a cité cataracte ou bien aveugle. Développement utérin ou tout capable retarder. Nous bien en plus tout facteur de risque transmissible yo tant qu'on te capable dit tuberculose yo yo important pour nous connaître ça. Li vraiment yo risque pour ça. Yo moun ki habite fumé en pile risque l'amol capable augmenter 20 à 30 fois et comme ça. Comme ça tout yo moun ki sans fumé passif, j'aimerais dire là yo moun ki a viv yon côté ensemble avec yon moun ki fume, li ferme yon côté ou se yon fume passif. To mortalité ou augmenté tout.
Alors c'est comme ça moi t'ai venir porter pour nous. Soit on dit causer à jazz comment nous capable gérer vie nous, les n'a filmé qu'elle est capable yon risque pour moun ki bon côté là et en même temps yon risque pour santé. Si nous capable prendre ça très bien, nous capable mettre ça en question, si nous capable gérer ça, il est vraiment mieux parce que santé nous c'est lié c'est une bagage qui pi important dans vie nous ou tant à vivre sous terre. C'était Yudeline Jean-Jacques qui était ensemble dans Psychosé à Jazz. À la prochaine. Ou t'as aimé qu'on doit avoir nos affaires la santé? Ou t'as aimé vivre en bonne santé? Ou bien, ou t'as aimé bonne santé protéger tête ou famille, ou amis, ou voisinage et la fille, bien pour prendre le vent. Vim discuter avec nous l'espace santé et vie. Yon émission qui patronnée par AJAS, qui c'est Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé, qui passe sous big gros télévision digitale dans le moment qui c'est WebCorp TV. Chaque samedi, sorti 8 ans sur les pays d'Haïti, à 6 ans sur les pays d'Haïti, et la prépassée chaque lundi dans le même lieu. Espace santé et vie, c'est émission PAO. C'est PAO. C'est PAO. On vit la santé, nous yon bel espace. Ta santé. Merci pour toutes belles conseils sur ce partage avec le public. Là, c'est un paquet de conseils qui est très intéressant et important pour que nous soyons capables de porter accent sur eux. Donc, Yudlin se prend sans et prend temps libre pour que nous soyons capables d'essayer de faire nous comprendre et qui ça, ça a gagné dans la question fumée. Ni moun kap filmé avec moun ki bon côté moun kap filmé. Donc nous comprenons que c'est pas yon occasion ou bien une situation que nous devons mettre tête nous la donne autant que nous capable éviter tant que Jean Yudlin t'a dit tout à l'heure éviter tabac là ni pas prendre ni pas arrêter bon moun kap prendre ça cap nous rester toujours en bonne santé. Tant qu'on nous t'a dit n'a rappeler nous à soya que sujet nous c'est endométriose et dysménorrhée. Donc nous gon gros coquin chaîne médecin qui accompagne la soya tant que Jasma a décrit pour nous tout à là. Donc, nous pensons qu'il est là avec nous et à qui nous avons demandé pour qu'il soit capable de monter et qui pourrait commencer par partager avec nous et comment il sentit, comment il est dans le moment ça pendant qu'il a partagé le moment ça avec nous dans Jas, dans la question santé et la vie que nous avons partagé avec le public. Là. Donc, pendant qu'il a essayé pour qu'il soit capable de se connecter, n'a pas rappelé nous, pas oublier sujet à soi, c'est Solino Chita, parce que c'est un sujet qui est très intéressant et important. Endométriose et dysménorrhée. Donc, peu de monde qui a posé ça, mais ça, endométriose, là, qui ça, t'aime ça, vous dit. OK? Docteur, quand on a dit la créole, là, on va y avoir un nom de la créole, là. Non, en tout cas, notre médecin est venu pour que le cabal ait une créole, là. Mais nous connaissons que l'endométriose, c'est une maladie que, en peu de monde, nous sommes capables de faire ça, que nous ne connaissons pas. L'aime dit, en peu pas garçon, parce que nous ne faire. OK, c'est peut-être l'autre mesdames, on va citer non non Azma, mais c'est l'autre mesdames peut-être qui capable faire lui, ça qui on pas connaît. OK, parce que les silencieux dans plusieurs cas les silencieux. OK, c'est au fur et à mesure parfois dans douleur dans dysménorrhée, il est capable de révéler lui là. Donc il y a grand pile détails que nous supposé connaître de lui, donc qui est important et que n'attend que médecin vienne ba nous détail ça. Mais en tout cas bon, me rappeler nous sur question parce que en terme endométriose dans l'idée de développer c'est à partir de organe qui touché hein, c'est organe qui touché hein, OK organe qui touché dans maladie ça li rele endomètre. OK c'est endomètre là qui touché. Endomètre là c'est une sorte de tapis qui tapisse utérus fille hein. Donc ça nous rele utérus là c'est côté fille poté bébé hein. OK pas dans ventre non mon poté bébé d'accord c'est pas dans ventre là touché tout. Mais c'est dans l'utérus là. L'utérus là qui grandit, qui prend grosseur à cause de bébé hein, qui a grossi en dedans et cavité pelvienne. Donc, l'aile prend cavité pelvienne, ensuite prend cavité abdominale, etc. Mais la chita pour dire utérus là. Okay? Utérus là, c'est espace côté que dame nan ou bien femme nan li pote bébé. Ah ben, utérus là, li gon sorte de tapis qui là dedans li. Et tapis ça nous relie endomètre. OK c'est endomètre là malheureusement pour des raisons
que nous prenons le temps de médecin pour que le capable de partager avec nous, mais des raisons que jusqu'à présent, c'est hypothèse pour nous, okay, qui permet à ce que nous venions des escroissances qui fait qui grandit dans l'espace que le pas de grandit. OK? Donc, qui grandit dans l'espace que le pas de grandit et qui vient permet à ce que nous venions une bonne manifestation. Ça qu'en fait, je n'en m'a battu l'attention, c'est que puisque les gens même tissu avec endomètre là dans n'importe espace que le trouver tout ça qui arrive qui doit arriver endomètre là dans espace normal sur plan physiologique et ben excroissance ça autour la privé par exemple qu'on est dans période les filles gain régler endomètre là les bail sang il fait des squamation de sang etc et ben de la même manière donc excroissance ça qui fait là tout yo pral faire même bagarre là que ce soit c'est dans ovaire là lié que soit c'est dehors utérus là que soit c'est dans corps peu importe l'endroit que le trouver là la fait même action même douleur que mon a ressenti dans dysménorrhée c'est même douleur ça que le pral ressenti tout dans endométrie ça parce que non titan encore nous pral gain médecin avec nous qui pral bay plus détail tant quoi asthme attaque asthme me songer que nous gain plusieurs types de endométrie c'est pas vrai faut partager avec public là en attendant médecin venir type d'endométriose que nous connaissons en attendant que médecin paraît. D'accord, merci Josil. Bon, qui t'a fait un bail public a un aperçu déjà de qui ça nous va parler et que c'est une maladie qui frappe femme yo et nous même dans espace santé vie et dans optique pour nous toujours continuer parler de santé femme et jodia nous vraiment content pour nous porter sujet ça pour nous dans émission ça. Côté que nous va parler de maladie ça qui c'est endométriose qui frappe près de 30 à 40% femmes qui en âge de procréer ou même capable dire dans l'âge pour faire petite depuis mon atteinte puberté li premier règle jusqu'à ce que mon atteinte ménopause li capable de faire maladie ça. Et maladie ça li capable mener l'autre maladie toujours. Par exemple, les gens que sujet aujourd'hui c'est endométriose et dysménorrhée parce que il y a un lien entre deux maladies ça yo. Endométriose là il capable mener dysménorrhée qui c'est douleur règle, qui c'est douleur ou gain l'organe règle. Jean te dit à et Jean-Joseph t'a dit nous maladie ça, c'est une maladie comme si gain pour avec cavité utérine là, côté que les filles fin gain règle. Parfois, il y a une hypothèse qui dit que c'est les filles en fin de règle et puis toute règle va fin descendre, il y a comme si on décapable d'une partie dans sang qui remonte dans trompe fille. Et sans ça, qui comme si gain cellule vivante là-dedans, gain cellule qui fonctionnelle, yo aller cellule ça capable à l'implanter n'importe l'autre côté. OK? Soit que la implanté dans ovaire yo ou bien n'importe l'autre côté qui pas dans cavité utérine et ça qui prend cause maladie qui est l'endométriose côté que un tissu qui prend le former en dehors de cavité utérine. Gen les docteurs APC monté mais pas connait gen les problèmes techniques qui empêchent lui monter. Oui, j'en ai dit endométriose capable et mener et dysménorrhée qui c'est douleur les filles en lui-même li gain règle depuis environ 4000 ans déjà égyptiens yo ensemble avec grec yo été détecté maladie ça cliniquement ou bien sur le plan anatomique et histologique maladie ça gon paquet étude qu'a fait sous li pour capable dire comme si qui ça qui vrai cause li parce que jusqu'à présent la science pas ka dire réellement vrai qui ça qui côté maladie ça sorti qui côté qui ça vraiment qui bay endométriose là mais go paquet hypothèse qui gagne autour de maladie ça OK gon paquet hypothèse mais comme si qui poko jam capable affirmer yo poko jam capable affirmer et endométriose là, li présenté sous trois formes. Nous gagne endométriose superficielle ou péritoneale, nous gagne endométriose ovarienne ou bien tout qu'on rele endométrium et nous gagne endométriose pelvienne profonde ou bien tout qu'on rele sous-péritoneale. Et bon, j'en ai commencé à parler là, Josil, c'est une maladie qui frappe femme.
de pou commencer gen règle ou capable faire li. OK, on pas dit on ça va faire non, mais ou capable faire li. Et li m'a connait avec l'autre maladie ça qui c'est dysménorrhée. OK? C'est comme ça nous gagne pour nous parler autour au cours de émission à soir. Comme tu as marre, on va important pour attirer attention mesdames yo. Puisque son maladie qui se tout capable toucher mesdames qui dans période de procréation, me vient rendre compte que li ça c'est très important pour que une fille t'a toujours suivre gynécologue. OK? T'a toujours suivre gynécologue li parce que non seulement pathologie ça qui c'est endométriose là qui est développée de manière silencieuse la caille mesdames yo, mais bon paquet l'autre tout maladie que on kan fait. Et ça fait malheureusement culture ça nous pas vraiment ouais la caille haïtienne yo surtout pour m'bati la caille population haïtienne en général, nous pas vraiment ouais gen culture à l'hôpital léo pas malade là. OK, on dit que à l'hôpital léo pas gen douleur, léo pas gen souffrance parce que c'est les on a presque mourir les ça li a un médecin. OK, donc là nous comprenons que l'important, très important pour que mesdames soient capables de prendre le soin pour que capable suivre gynécologue depuis les li gen période de depuis l'elle commencer dans période pour avec procréation li c'est-à-dire depuis l'elle commencer qu'a faire petit depuis l'elle gen première règle et ceci n'a parlé là pour parents yo s'il vous plaît si adolescente qui la caillou yo prend le plaisir pour qu'elle capable développer culture ça la caillou de manière à ce que pour qu'elle capable connaître colle l'école par la velle pour que au moins elle capable connaître qui ça veut dire pour lui. Donc ça veut dire que apprendre si moun nan konnen koli mener li a jwenn yon médecin qui pou permet assure capable gon meilleure éducation appropriée pour cela afin que capable konnen bagay sa ou ki a développer la kali. Bon zon bagay asma ki intéressant et public la ta doué konn sa tout. Est-ce que pas remarqué majorité mesdames yo souffri de sa nouvelle dysménorrhée et nan environnement je ne sais pas si c'est même constat ça que même ou fait. Bon, moi-même, moi capable dit oui et moi témoin et m'sayon comme t'es capable dit ça. M'pas et pas un exemple non parce que m'sayon nan moun qui kon gen douleur lè comme si moi gen règle. Gon bagay ou t'es commencé parler auparavant que t'as dit que li vraiment bon depuis petit moun nan li commencé gen règle, li commencé former pour li suivre gynécologue. Parce que en pile fois maladie ça crée les dysménorrhée et endométriose là, li kon pas présenter symptômes. Et moun nan konn vive avec li pendant des années, li pa jam konn ça. Puisque comme s'il pas suivi un gynécologue, li pa jam konnen comme si li genye maladie parce qu'en pile fois, li pa konn présenter symptômes. Mais parfois tout, oui konn gen symptômes par exemple tant coup douleur règle que en pile fi frappé de li. Douleur règle vraiment son bagage comme si ou li rarement comme si pour un fille comme si li gen règle pour comme si pas qu'on gen si douleur etc. Parce que règle là li son bagage naturel, li son bagage naturel mais douleur hein, li pas comme si nous pas supposé tolérer li, OK? Nous pas capable supposé tolérer li. Une fois que comme si nous comme si là nous commencer fois, nous commencer à gen douleur. Parfois que nous gen douleur atroce même et en Haïti comme si nous kon gen culture fait automédication comme si prend analgésique, prend pas qu'on est remède etc. pour contre nous mais et parfois qui pas contre trop bon qui pas contre trop bon parce que leur pédé prend médicament comme ça c'est capable tout ça a un effet secondaire li. Donc j'en te dis la vrai li bon pour fille hein, qui ou gen douleur leur gen règle qui tout pas gen douleur leur gen règle pour consulter gynécologue pour toujours faire check-up. Yeah, bon, c'est son impératif, son obligation. Bon, côté mesdames noyo, surtout mesdames noyo, les petites mesdames noyo, pas de couleur noire, non, de race noire alors. Mesdames de race noire, surtout, yo kon développé et genre de douleur ça yo lorsque on yo. Bon, le bagage important, et nous t'as aimé que nous souligner. En fait, parmi causes de problèmes de grossesse qui kon posé, le cité endométriose, c'est une cause surtout. On va contre ce qu'on essayer faire recherche sur ça OK parmi cause qui quand mon infertile nous gain endométriose OK donc face à cela sont autre raison encore pour une fille qui connaît que il a besoin de ti monde pour que il capable toujours à suivre médecin là-dessus
Mais qu'on y a là, on dit que et monan ta gen endométriose et que ça t'a fait causer problème pour ta gen grossesse li. Donc est-ce que nous explication face à ça? Qui ça carré monan pas ka enceinte le fait que le gen endométriose là? On essaie de réfléchir sur ça non. Ça ne ka dit sur ça Asma. Bon, endométriose là en soi c'est une maladie. C'est une maladie génétique qui frappe les femmes et oui qui compte si c'est une cause infertilité kaifi. Parce que c'est une maladie qui vraiment bay problème en pile. Li vraiment bay problème et ça qu'on rive que j'en dis là fien qu'on rive li pas capable ou... Docteur a tombé encore. Oui, li konn pa kapab et fien konn pa li konn rive pa fè pitit. Parce que et j'aime te dire auparavant, moun nan konn a développé konn gen avu avec maladie, an, li pa jam konn ça. M konnè comme si d'après recherche, m fè gen moun ki fè n'importe combien année avec maladie, an, li pa jam konnè ça. Et maladie a konn tellement rive nan yon comme si ka et nan yon stade qui comme si grave côté que mon na c'est chirurgie li kon oblige faire côté kon étirer ovaire mon na étirer matrice mon na donc sou pa gen bagay ça ou pa capable faire petit capable et ceci vous jamais monsieur donc à force que nous connaît que tissu ça je vous expliquer tout à l'heure qui a développé dans les milieux extra utérine par exemple l'hôpital dans trompe là qu'elle fait multiplication dans le trompe-là, elle fait multiplication dans l'ovaire-là, donc on va mettre la bouchée espace qui vous permet à ce que cellule qui pour avec qui pour avoir le fœtus-là, donc la empêcher ou capable de développer. Vous comprenez là? Donc là encore, c'est des causes qui pour vraiment rendre les infertiles dans la situation que lorsque les fait ça nous relie endométriose-là. Et Fonda dit mon yoto que faut que pas confondre endométriose avec cancer, parce que endométriose pas cancer. OK, il est vrai que son c'est multiplication de cellules ou bien de tissu dans un espace mais toujours qu'un des caractères physiologiques là. OK, qu'un des caractères physiologiques là qui pas vraiment des cellules anormales, j'ai un peu le monde capable de penser dans l'autre cas. Mais cependant qu'on fait abus de langage tout pour qu'on capable parler de ça. Par exemple, bon cas soit deuxième catégorie que même relé endométriome parce que j'en voulais développer à vraiment, c'est comme si tu avais développé comme une forme de cancer. Mais en réalité c'est pas un cancer donc il pas vraiment gain même conséquence accès c'était cardio cancer que le OK donc lorsque n'a pas le mesdames de endométriose ne pas doit peur prétendant que c'est un cancer OK ne pas ta de peur là-dessus mais on connaît tout continue non ouais c'est que you know l'autre et m'pa di cause non hypothèse et maladie ça qui c'est endométriose là c'est que on dit comme si il est capable li c'est une maladie génétique ça veut dire que si comme si tu as un monde dans famille qui fait li un maman un ma tante un cousin cousine etc il est capable comme si un autre monde dans famille li fait endométriose là mais comme si on a posé cette question par exemple si comme si dans une famille pas gain monde qui fait li OK pas gain monde qui fait li là comme si comment que moi par exemple moi même moi va le faire connaître que moi comme si gain risque pour moi faire maladie ça moi c'est comme si une bagaille qui capable et comme si qui était capable et répondre avec question ça c'est parce que j'en ai dit auparavant une fois que commencer formel toujours bon pour suivre un gynécologue parce que maladie qu'on va présenter symptômes OK moi pas gain symptômes moi pas gain monde comme si dans famille qui gain li et puis comme si et moi même moi t'a venir faire côté maladie ça sorti comment que moi faire gain donc je ne comprends pas tout à l'heure c'est que étiologie maladie dit ça cause maladie il pas vrai il n'est pas vraiment capable de donner explication. Il n'y a pas qu'un autre facteur de risque à part de questions génétiques qui est capable de faire mon développer. Moi, je comprends. Donc, à part de questions génétiques, il n'y a pas qu'un autre désordre génétique qui est posé qui n'a pas de rapport avec hérédité. Surtout, c'est expliqué tout à l'heure, c'est hérédité, soit de parents, de proches, de famille, etc. Mais il n'y a pas qu'un autre désordre génétique qui est posé qui permet à ce que mon est capable de gagner. Et encore tout, il y a l'autre risque environnemental.
qui capable permettre à ce que moun nan développe le tout parce que risque environnemental yo yo capable agir sur question multiplication cellulaire nous sur façon que ADN nous a développé protéines autres sur question génétique nous quand même c'est clair okay? Ouais. Oui et des autres ça lorsque formé à partir de environnement tout donc yo capable ba nous endométriose et ça fait un gène yo qui ba maladie qui normal et puis qui vient anormal. Et encore, il y a un autre qui est intéressant dans le ça. C'est que la douleur, ça n'est pas presque même seulement dans le cas de douleur dysménorrhée que vous avez gagné. On va voir que la douleur, elle est manifestée même en dehors des règles, en pile fois. Okay? Ah oui, vraiment. Et d'après vos recherches, d'après vos recherches, moi, t'es fait, c'est pas, j'en dis en tout vrai, c'est pas comme si seulement douleur règle. Par exemple, bien douleur, les mouna, l'ika comme si, paraît comme si, les mouna pipi, et puis que l'y senti douleur. Douleur, ça que les désirs. Ya. C'est en douleur comme si les mouna a pipi, et puis comme si l'y, qui pas normal comme si pas qu'à pipi comme si pour absence de douleur ou bien douleur comme si les monal dans rapport sexuel que les dyspareunie hein ou bien les monal toilette tout le compte comme si vous senti douleur qui c'est que les dyschésie comme si c'est pas seulement douleur c'est pas seulement dysménorrhée qui ont symptômes de endométriose mais comme si bien l'autre douleur tout j'aime ça citer hein, qui capable et un symptôme maladie ça. Très bien. T'as semblé que le docteur a fait nous signe là que les présents. Donc, t'as basé les autres techniques là, à PC font façon pour que capable. Docteur à présent, pour ce que je t'ai mis. Oui, moi, elle a fait signe que les présents là. Public là, t'as mis notre public là, t'as aimé ou elle OK. Public là, t'as aimé qu'on est tout. Public là, t'as aimé qu'on est maladie, puis bien toujours. Parce que ça, tu dis là, c'est généralité maladie. OK, c'est généralité que. Et vrai, c'est vrai, public a besoin de connaissances générales, mais entrer en profondeur de information que tu as de connaître, c'est que c'est médecin qui n'a cadre même qui n'a domaine même qui t'a de partager pour en profondeur information ça que tu as de connaître. Donc, moi, c'est là, tu as de ouvrir la caméra parce que tu as fait ces caméras qui peuvent apparaître. Okay? Mais la question, ça, j'aime bien expliquer tout à l'heure, qui question de douleur. De, mais en pile fille choisit accepter gain douleur là c'est parce que comme si yo réserve avec dysménorrhée oui yo dit bon OK comme yo là pour sa grand-mère ou te gain ou bien maman ou te gain papa ou te gain et puis yo d'accord pour gain dysménorrhée me connait dans mesdames yo même gain comme divine chita sous senti yo OK qui me rend divine chita sous senti ou bien mettez bloc sous senti yo là pas gain mon bon côté yo et puis yo connaît ça c'est pour deux jours bien c'est un jour gain douleur là après ça douleur là passé donc yo réserve avec ça jamais à loin médecin jamais pour une initiative appropriée pour cela donc moi c'est que là moi c'est que les mauvais là il pas bien donc nous pas de admettre chose dit là pas de admettre douleur OK depuis gain douleur c'est quand nous qui parle avec nous doit al joindre un interprète qui sont médecins qui pour interpréter pour nous pour essayer nous faire comprendre qui ça connait nous à essayer faire nous comprendre. N'a pas rappelé public là que la suivre émission Espace Santé et Vie qui diffuse chaque samedi sur Web Corvée TV dans le ça. Et sujet nous gain pour soir c'est endométriose et dysménorrhée. José, pendant nous parler de endométriose, on essaye comment que nous t'es capable expliquer public là qui rôle endomètre là lui-même parce que endométriose. Côté que endomètre là lui-même c'est lui-même t'es capable de dire qui joue un grand rôle dans la maladie hein. Comment que nous t'es capable expliquer public là okay. Donc comme tu as d'abord c'est expliquer nous anatomie endomètre là pour nous dire en fait qui espace que lui occupé etc qui ça que lié mais faut me dire nous que endomètre là joue un pile rôle important surtout dans question de croissance fille OK ça nous connait relais règles ou bien un cycle dans cycle menstruel fille. OK? Il y a il joue un rôle important. Donc en plus le monde connait parce que et en fait sans que mon nan baille pendant que il y a règle, c'est comme si son bout à terre qui coupé dans l'autre espace et puis qu'a pomper sang. Mon yon connait comprendre de l'autre façon comme si on peur lorsque sang vient en pile. Sang qui supposé. Yeah, mon yon connait peur. Qui supposé couler. Yeah, mais c'est physiologique, c'est normal. Que mon nan ka va bien règle, ka va bien ça pendant règle. Kounya la sans à côté li soti.
Donc, nous avons un grand facteur, un grand élément, ou bien un facteur important qui met une gabine sans ça aussi. Surtout des excroissances de vaisseaux, disons, des néo-vaisseaux qui formaient pendant la période cycle menstruel. Néo-vaisseaux qui formaient pendant la période cycle menstruel, c'est dans l'endomètre qui ont formé. OK? Donc, lorsque vous formez, vous connaissez pendant la période règle, je vais vous préparer une petite vidéo pour vous faire mon yoga. Donc, pendant la période règle, donc, vous voyez que l'endomètre apprend grosseur. OK? La prend grosseur. Pourquoi ça la prend grosseur comme ça? C'est dans l'attente de prochain fœtus qui va venir. OK? Parce que depuis fin, les gains règle, c'est dit que les prêt pour que le capable recevoir un fœtus. OK? Donc, dans le cycle menstruel, c'est ça. Le cycle menstruel dit que quoi après pour recevoir un fœtus. Et pendant qu'il prêt pour recevoir un fœtus, là, et qui s'est passé? Endomètre lui-même, la prend grosseur dans l'attente de fœtus là pour que les fœtus là viennent pour que le capable bien implanté dans l'utérus là. OK? Donc, un rôle important, c'est que il prépare le confiant pour recevoir bébé qui va venir. Deuxième bagaille, ça qui arrive, c'est que les bébés ne viennent pas venir. Donc, il n'y a pas qu'à arrêter dans la grosseur que le doit. Mon professeur qui m'a dit que c'est l'utérus qui a pleuré. OK? Parce que tu attends, tu espéré un bébé. Pas de fécondation, pas de fœtus. Exact, il finit par crier. Donc, pleure, ça les manifeste par et flux sanguin, qu'on bail en tant que fille dans la période là. Donc, flux sanguin, ça, c'est pendant que l'exclamation a fait, OK? Pendant que endomètre la bat pour que le capable vienne pipiti. OK, donc la prend grosseur normal lien qu'il y a pile vaisseau ça qui est formé et a fini par casser et dans casser a casser hein et puis a bat automatiquement du sang et sans ça yo yo gain pour venir éjecter à l'intérieur de sortir dans l'utérus là pour sortir vers l'extérieur qu'on est fi en bail là. Donc moi c'est que une deux gros rôles ça que nous bail là. À part de ça, nous connaît que les joueurs un rôle important dans la question de recevoir question de comment je peux dire ça les hormones jouent un rôle important la cali pour que capable de faire des transformations etc. Donc tout ça aussi des éléments importants mais deux gros bagages que ne pas oublier là parmi tout ça me dire pas oublier deux ça lui préparer confiant pour recevoir bébé a, et lorsque bébé a pas venu eh bien c'est lui même qui fait desquamation sanguine qui desquamation sanguine qui permet que sang capable de sortir vers l'extérieur. Les sens ça c'est les qu'on y a les sens ça et qu'on a sorti qu'on bail problème les qu'on bail des symptômes je ne t'ai pas dit à qui c'est dysménorrhée ou bien douleur les monnan gain réglé je nous dis qui pas normal une fois que ou formez chaque mois qui normalement et ou est comme si l'a formé ou commencer gain douleur ou a gain douleur qui pas normal ou pas supposé te garder comme ça ou pas supposé apprendre analgésique antidouleur tout temps et juste des douleurs passées il met le passé après l'autre mois l'a tourner encore il tourne encore retourner faire même bagarre là elle toujours tourner encore ou supposé ou pas supposé faire tête dure ou supposé aller un gynécologue et on pas connaît Josil est-ce que comme si gétan gain comme si pour qu'on gain étude qui dit mais qui côté maladie ça sorti mais gain examen moun fait comme si pour comme si comme si quel diagnostic yo fait comme si pour comme si sou gain et maladie hein yeah, jusqu'à présent médecin arrivé dans quatre côté ka diagnostiquer maladie OK donc yo ka diagnostiquer la kafian à l'aide des examens les examens que nous rivé fait en fait pour que nous capable découvrir qui ensemble de éléments ou bien qui manifestation qui la camona à l'aide de examens ça que nous fait par exemple un examen que nous fait son sorte de on sorte observation que nous fait observation ça les fait avec une sorte de sonde optique OK sonde optique ça que nous mettez à l'intérieur de fille OK qui va insérer en dans nombril mon qui va permettre à ce que grâce avec sonde ça nous pas capable garder vers l'extérieur qui ça que mon lui-même lui présenter. Donc façon que endomètre la présenter en tant que tissu les pral dit nous donc qui en fait en face de qui ça que nous gain s'il présente des tissus dans des tissus excroît avec qui développé dans milieu que le pas doit développer hors ça veut dire hors de utérus là les pral laisse nous même pral dit bon là nous en a fait avec un endométriose mais faut tissu là il similaire avec tissu endomètre là est-ce que vous comprenez
Donc, il faut que les similaires, parce que si ils sont l'autre tissu, donc ils sont capables de soigner un cancer, ils sont capables de l'autre type de tumeur, etc. Il faut que les similaires avec ça qui est de mettre là. Il faut pas oublier tout que, dans la question de ça, il faut que c'est ensemble de examens paracliniques, ça nous dit, c'est examen que vous voulez faire, avec examination que nous faisons sur le plan clinique, c'est au-delà qui peut permettre nous capables de découvrir qui ça que nous avons. Mais il faut nous dire clairement que une bonne partie dans le diagnostic, les cliniques. OK? Donc, par habitude, médecin, expérience, médecin, et puis encore les informations épidémiologiques que médecin a gagné, il suffit pour qu'il soit capable de dire bon, jusqu'à preuve du contraire, par rapport avec de tel ou tel signe que fille a présenté. Mon a présenté, exactement. Exact. Donc là, ça a besoin, il a besoin de faire examen paraclinique comme nous expliquer nous là, justement pour qu'il soit capable de confirmer, pour confirmer ça. OK? Mais jusqu'à présent, grâce à Dieu, médecine arrive dans le niveau ça jusqu'à présent pour qu'il soit capable de faire un bon diagnostic, un bon diagnostic de endométriose, bien que nous pouvons cacher vrai sur étiologie, mais sur cause là, mais jusqu'à présent, nous avons fait un bon diagnostic de lit. Par contre, tu vas pas ajouter quelque chose pour le public là. C'est comme si vous dites tout bagay, comme si dans le sens que par rapport avec des signes vrais, mon n'a qu'on présenté soit comme si douleur pendant le règle ou douleur pendant la pipi, pendant la toilette, etc. J'en t'ai dit là. Docteur, comme si jusqu'à ce que examen li prouve le contraire, li capable comme si suspect, moun sa capable di moun sa son suspect de maladie endométriose là. Et gonbay ki passe dans tête moi konnya. Endométriose li gen pou wè endomètre comme si li gen pou wè li gen lien avec comme si règle. OK? Li gen comme si lien avec comme si les moun nan a formé etc. Bon, en pile hypothèse di mais ki sa ki cause, mais ki sa ki ta dwe cause maladie ça. Yon nan bagay comme si c'est les sang comme si li retourne monter dans trompe fuyant côté cellule yo et y a développé un tissu en dehors de cavité utérine fuyant. Bon, on suppose que hypothèse ça l'est venu affirmer. Alors, est-ce que m'te capable di que yon moun comme si qui t'est fait endométriose qui vient atteindre ménopause li tout guéri comme si est-ce que comme capable comme si considérer moun ça li tout guéri parce que comme s'il pas gagne règle encore et qui s'en pense de Josil en fait faut nous dire que et en fait il est vrai que endométriose là les manifester avec dysménorrhée OK et que les filles les filles atteindre ménopause li pas gagne règle encore mais endométriose n'a pas seulement attaqué endomètre là. Faut nous songer ça. Li attaque un paquet l'autre organe. OK? Donc ovaire fille, par exemple, trompe de Fallope fille. OK? Et nous sont expliqué tout à l'heure qu'on paquet l'autre douleur qu'il manifestait avec par exemple 18 oui, il manifestait même dans douleur les mon aller à la selle. OK? Donc toute pile douleur ça yo, si mon n'est arrivé gagne ménopause li, toute pile douleur ça on a toujours gagne parce que c'est pas seulement dans domaine ça. Et nous capable dire que pendant que endomètre lui-même il a comment dire je l'a vieilli OK l'a vieilli il a de capacité que l'a perdu tout OK capacité que le connait pour qu'il était capable gonfler dégonfler etc. bah ça donc que l'a fini par perdu parce que vinn gon diminution forme tout ça forme faire changer public forme faire public en changer ça tout vinn gon diminution de hormones qui gain lien avec question de gestation ou bien avec hormones qui gagne rapport avec croissance etc. avec une diminution de hormones ça et bon hypothèse tout qui veut faire comprendre que c'est parce que bon sorte de accumulation ou bien pas ta dire accumulation non on dit que vinn gon prolifération de préférence de hormones ça yo vinn trop OK yo vinn plus par rapport avec quantité normale ta de sécréter qui vinn permettre à ce que endomètre la vinn développer autant. Donc on dit que donc t'as venu diminution de hormones ça yo donc ça a permis à ce que nous capables regresser par rapport avec évolution néfaste que nous n'étions capables de gagner mais si on dit ménopause t'as tout en guérison nous pas cacher ça vraiment parce que c'est pas seulement ça que les causer
question d'abord c'est vous êtes nos quital que nous essayer de répondre ensemble c'est traitement et tout. Donc comment un médecin qui face avec un endométriose comme moi temps presque fini là. OK? Temps presque fini, faut une baie public là le temps pour capable parler, mais on faut parler de traitement avant que une baie public là le temps pour capable poser question pour essayer répondre. Donc on dit que qu'il y a là un médecin qui gagne un monde qui gagne endométriose bon côté et puis ou bien qui vient côté etc et puis qui t'a aimé jeune un traitement. Est-ce qu'on parle de quelques traitements, soit médicamenteux ou bien chirurgical, que nous capables d'essayer de faire public la connaît. Bientôt, nous allons essayer de faire comprendre dans le langage, pour qu'on puisse bien saisir, parce que il est vrai que nous avons un médecin en bas, il est capable de suivre, mais on essaie de faire le langage pour le public à comprendre, puis bien, pour qu'il soit capable de connaître qui comportement, ou bien qui conduite vous devez gagner, si vous attendez, ou bien si vous avez une connaît, que vous avez endométriose. Qui comportement vous devez gagner face à votre traitement que le médecin lui-même lui a fait ou fait? Oui, on doit parler de traitement, Josil. Oui, c'est comme si il y a un traitement médicamenteux qui comme si côté fiant, comme si il mettait sous médicament, etc. Et comme si, et depuis la suite du traitement, ça y est, il est capable de vivre enceinte. Et il y a un traitement qui est radical. J'aime te signaler auparavant qui radical côté que les conrad fia infertile côté que comme si conrad et les comme si mon a fait chirurgie docteur a retiré organe qui gien pour avec gestation qui gien pour comme si pour kembe petit là ovaire fia mon fia qu'on vient retirer ovaire là et fils a connia li pas comme si gien moyen pour le faire petit parce qu'il pas gien ovaire et ou pas capable faire petite ou infertile. Yeah. En fait, j'en suis dit à lui après. Donc traitement que nous fait traitement que médecin ou fait oui. Donc yo causer automatiquement destruction du endomètre là. OK, yo causer destruction du endomètre là pour plusieurs raisons parce que c'est endomètre le problème là. OK? Puisque c'est endomètre le problème là, donc yo obligé font façon avec. En plus faut bay mon INS pour combattre non seulement douleur là et également destruction de endomètre là mais tout. Yo kon ba yo des hormones contraceptifs OK hormones sa yo qui là pour diminuer taux d'hormones qu'a sécrété qui était commencé sécrété pour être capable rendre croissance et fille et puis je te dis tantôt nous gain question de régression que nous obligé faire avec question de traitement chirurgical qui obligé au final c'est bien dommage que c'est les mêmes que nous gain comme dernière solution pour fiancifiant t'avait fait deux jours encore pour pi bien ou bien pi à l'aise donc obligé enlever utérus fiant s'il pas gagne temps gagne ti moun malheureusement il pas capable gagne ti moun encore ou bientôt et s'il ta doué gagne ti moun donc ça bon paquet risque la calil que il y a que nous obligé comme solution finale c'est rendre fiant capable vivre quelques jours de plus heureuse au lieu que nous mettez la situation de douleur ça et qui, de toute manière, de toute évidence, tape toujours en lien infertile. OK? Très bien. Jusqu'à présent, comme si pas des traitements définitifs. Yeah, pas vraiment un traitement définitif par rapport à ça. C'est combattre, nous avons essayé de combattre li pour que nous puissions diminuer ton taux de hormones qui a sécrété ou bien pour nous puissions détruire l'endomètre qui a développé et de manière anormale. Yeah. J'ai regardé à la République, là, nous voyons que, bon, moi, combien de temps nous avons là? Nous étions en quinzaine de minutes là. En quinzaine de minutes, c'est petit casse ça que nous capable répondre question mon yo. Soit passé. Avant tout nous répondre question, on a rappelé le public là que la suivre émission Espace Santé et Vie qui est diffusée chaque samedi sur Webcov TV. Déjà, nous capable toujours réagir, poser question que nous pral répondre en petit temps encore, côté que nous pral prendre un petit coup de pause et puis n'a retourner encore. Ou ta reme kondro ak devò nan zafè la santè, ou ta
ta remè viv an bon santé ou bien, ou ta remè protéje tèt ou fanmi ou zanmi ou voisinaj la priye, piye kou pran devan. Vin diskite ak nou nan espase santé et vie. Yon émission ki patronne pa AJAS ki se Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé. Ki pase sou big gros télévision digitale nan moment ki se WebCorp TV. Chak samedi soti 8h sou les pays voisins ak 6h sou les pays d'Haïti et la prépasse chak lundi nan même l'air. Espace santé et vie, c'est émission PAM. C'est PAM. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Ou ta remè kondro ak devò nan zafè la santé, ou ta remè viv an bon santé ou bien, ou ta remè protéje tèt ou fanmi ou zanmi ou voisinaj la priye, piye kou pran devan. Vin diskite ak nou nan espase santé et vie. Yon émission ki patronne pa AJAS ki se Association des jeunes haïtiens en sciences de la santé. Ki pase sou big gros télévision digitale nan moment ki se WebCorp TV. Chak samedi soti 8h sou les pays voisins ak 6h sou les pays d'Haïti et la prépasse chak lundi nan même l'air. Espace santé et vie, c'est émission PAM. C'est PAM. C'est PAM tout. On vive la santé, nous yon bel espace santé. Encore après petit coup de pause là et merci avec vous même qui toujours été ensemble avec nous qui a interagi et qui a invité l'autre famille aux amis aussi surtout fille vinn tande avec nous à soir à côté n'a parlé de une maladie qui a frappé femme souvent silencieusement qui c'est endométriose et li souvent bay symptômes qui c'est dysménorrhée ou bien douleur les filles gagnent règles. C'est moi-même ensemble avec Josie Lovski nous gagne assoya sur plateau en côté que n'a partagé l'idée n'a boit ses connaissances nous gagne autour de maladie ça qui c'est endométriose. Et moi parler oui. OK. Donc c'est mon à peine brancher de nous ta supposé fonce en bref résumé avant que vous posez question en bref résumé pour dire que qui ça endométriose là comment il manifester et qui ça médecin qu'a fait pour lui donc nous dit que donc endométriose là c'est une excroissance de endomètre là OK dans des endroits extra utérins OK donc les ça moun ça il pas gain même manifestation qui doit manifester lors de règles dans temps normal il pas manifester dans l'autre organe côté que là fait excroissance là tout donc malheureusement moun sa li pral manifeste un paquet de douleur, OK? La même gen cruralgie, la gen des douleurs lors de règles que nous les dysménorrhée, la gen des douleurs lors de miction que nous les dysurie, moun a gen des douleurs même lorsqu'il y aller à la selle. Donc on a ensemble de douleurs qui manifester par rapport avec des cas que endomètre ça a fait dans l'autre endroit ça. Et c'est bien dommage encore. C'est bien dommage que jusqu'à jeudi, nous pas capable gon traitement définitif. Même que nous t'a fait hormonothérapie pour maintenant ou bien en fait chirurgie pour maintenant donc c'est intervention ça qu'on a fait mais évolution il toujours paraît antigen présent cependant à noter et c'est très important à retenir jusqu'à présent dans le domaine médical là nous avons fait un bon diagnostic de pathologie ça ou de maladie ça la carmona l'important c'est que li capable héréditaire constate le gain épigénétique OK donc facteur environnemental yo li compte en pile dans développement maladien si li la ka ou de manière épigénétique c'est peut-être ça yon bonne gestion de ou même comme femme de style de vie comme femme li important et une action qu'on doit poser en tant que femme pour qu'on capable combattre situation ça donc il faut que ou bon gynécologue qui va suivre depuis l'organe période procréation ou jusqu'à ce que ou atteigne ménopause faut qu'on constamment à suivre un médecin là-dessus. Eh ben on nous servi avec présentatrice comme modératrice pour question yo donc que lui même lui bail place
avec les questions et les suggestions au sujet et concernant le sujet de ce soir. D'accord, Josil, merci parce que vous faites résumer ça pour moi qui rejoint nous. Et pourquoi mon nom qui t'a gagné en si lumière de qui ça n'a pas l'air, de qui ça qui maladie. Et juste pour m'ajouter que maladie ça, jusqu'à présent, la science pour qu'on ait qui vraiment cause. Qui ça qui vraiment cause maladie, ça peut une affirmation qui dit c'est tel ou tel bagaille qui baille endométriose. Bon, étant déjà pas avancé sous nous, nous là en bon petit temps et n'a bon, si Dieu t'a affiché une question pour nous. Et il y a un pont qui demande qui dit moi pas fin comprendre, est-ce que ça veut dire douleur règle ou dysménorrhée associée avec pathologie. Est-ce que douleur règle ou bien dysménorrhée pathologie? Alors, bah, qu'on est-ce que et au point voulait faire référence à cette pathologie en général ou bien comme c'est endométriose là et faut que nous connaît que au point et mon capitaine de nous la dysménorrhée comme si bon, il pas une maladie, c'est un symptôme de une maladie liée, il c'est un symptôme de maladie endométriose là. Et l'autre aspect avec pathologie, on est si comme si avec en général ou bien comme si on capable dire oui li lié avec endométriose là qui c'est une maladie parce que oui et dysménorrhée li c'est un symptôme de endométriose. Et Lovski Josil ou capable ajouter ou bien tout capable répondre l'autre okay. Façon si vous comprenez la question puis bien passé. OK. On essaie répondre une question dans deux sens que tu as posé. S'il t'a dit pathologie ça ou bien pathologie en général. Normalement, il y a des explications que les médecins gynécologues et obstétriciens yo bay pour dire que nous pas ta vle considérer et dysménorrhée comme une pathologie en soi. OK? Des fois c'est sur douleur moun nan qui permet li gen pas accepter douleur. Mais on essaie répondre question ça de manière physiologique que douleur là li censé normal. Ça c'est en premier l'école qui admet li comme ça. OK? Cependant, gen moun qui konn pa gen douleur non certain temps. Et puis pendant que l'a grandi et puis il vient à développer douleur les règles là nous capable comprendre que c'est des changements pathologiques qui a essayé fait donc dans ce cas si mon n'a pas toujours gain dysménorrhée dès le début et que c'est au fur et à mesure qu'il commence à développer là c'est des signes pathologiques là, c'est des symptômes pathologiques maintenant pour nous associer directement avec dysménorrhée avec endométriose donc les symptômes associés avec endométriose, OK, les symptômes associés avec endométriose qu'il y a là par rapport avec réponse que nous ba là nous pas dire tout le monde qui a dysménorrhée ou qui a endométriose, OK, ça pas normal, c'est pas tout le monde qui a dysménorrhée qui a endométriose automatiquement. Cependant mon enfant je suis OK ma fille, merci une fois, merci, désolé chers amis, il y a ma fille qui me rejoint tout à l'heure. D'accord, merci. Va trouver ma vie. Je vais continuer. D'accord. OK. Oui, je viens de dire, endométriose là lui-même en soi, n'est pas vraiment en fait dysménorrhée en soi, pas vraiment une pathologie, mais c'est un symptôme de une pathologie. Et puisque son symptôme avec une pathologie, n'est pas obligé un symptôme particulièrement parce que en réalité physiologiquement nous avons des réponses avec douleur règle. Donc on y a là. Le fait qu'on ait douleur règle pas venir chita pour dire que c'est physiologique, tu restes chez toi, OK? Donc et puis ça passe. Donc douleur règle, les doit maintenant à l'origine. Oui, les capables soit bien soit mal là, donc obligé à l'ouer automatiquement. Le médecin qui essaie expliquer lui par rapport avec gens que lui-même manifeste parce que dis-moi non, il y a pas manifesté là comme de la même manière. Gen moun li gon douleur que le capable supporter et même gen moun qui a douleur qui très insupportable et qui c'est pas seulement dans organe génital là mon gen douleur là, il gen douleur dans plusieurs autres domaines et ceci ou après que même li gen douleur soit dans pied et puis on paquet l'autre espace dans cavité pelvienne. Donc ou doit aller au médecin, gen moun même qui connaît même vomi, OK, qui vomit ou bien gen nausée dans période là. Donc tout ça yo ou doit voir un médecin qui pour essayer et de surmonter situation. Donc j'en dis un, il pas forcément et pathologique, mais dans plusieurs cas, il révèle très pathologique. C'est même je me capable de dire comme si la fièvre là que mon considère qui maladie qui pas une maladie, mais comme si c'est un signe, il capable de un paquet maladie. Et gagne un monde qui c'est Wenchel Wenchley Etienne
Est-ce que réellement douleur en bas du ventre pendant faire sexe en signe de endométriose? Et Winchell Etienne, moi t'ai dit ça comme si moi t'ai dit ça, m'pa konnen, ça dépend de qui l'autre est jeune noir. Kote que moi t'ai élaboré quelques signes ou bien quelques symptômes maladie endométriose là et comme si li gagnait quelques symptômes qui présentaient parmi lesquels c'est dyspareunie. Qui c'est dyspareunie qui c'est système scientifique là ou bien m'était capable dit douleur les monna a gagné les la fait rapport sexuel elle gagne rapport sexuel oui comme si douleur ça li associé ensemble avec endométriose là oui li associé et tout li capable c'est un signe de l'autre maladie genre Josel d'Abdil Talea, mais oui li associé li gagne le un dans symptôme maladie endométriose là Josel. Oui, en fait, Fonda a ajouté que tout n'est pas normal pour que lorsque mon a fait sexe pour gagner douleur. Ok, moi c'est cette question qu'on a essayé de répondre là, après. Donc question que Étienne Bozé. Ok, n'est pas normal, n'est pas du tout évident que lorsqu'on fait sexe pour gagner douleur. Donc si lorsqu'on fait sexe pour gagner douleur, Fonda dit que c'est très pathologique. Et là ça, ou obligé de toute manière, de toute évidence, ouais. Médecin pour que capable et d'au fait diagnostic là et d'au surmonter situation. OK? Et en pile fois, c'est des processus infectieux, OK, qui poser question douleur lors de rapport sexuel là. En pile fois tout, c'est des processus côté que qui même cancérigène soit et comment dirais-je, cancer du col et autres qui commence à développer qui capable permet à ce que capable bien. Donc, dans tout cas, ça, au peu importe ce que ça t'a présenté, donc, je nous dis, présence d'un gynécologue dans la vie, d'une femme qui n'a l'âge pour créer, est très important. Donc, pour endométriose, oui, en pile fois, il manifeste avec lui. Donc, je ne dis pas toutes les fois que manifeste avec lui, mais dans la majorité des fois, il manifeste avec lui. Donc, pas du tout, si vous n'avez pas de douleur dans le rapport sexuel, ça veut dire que vous n'avez pas d'endométriose. C'est douleur là, en fait, symptômes là, faut dire que des fois elle manifeste pathologie manifestée avec symptômes, parfois elle manifeste sans symptômes. Donc dans cas ça, peu importe la façon, peu importe la manière, pas dire son publicité à faire pour gynécologue, je dis non. Mais il est important comme femme pour gagner un gynécologue que vous suivez. D'accord. Et moi j'espère que Wenchley qui te pose des questions, il est satisfait de réponse là. Et on va connaître en avance sur nous la fin nous la guerre. Et par contre, si vous avez une dernière question, public et studio est capable d'afficher pour nous, s'il vous plaît. Oui, question au point. Question au point. Oui. Si pas une question. Ah, son question. Est-ce que tout le monde fait mal sur maladie? Je pas trouvé. Oui. Je ne sais pas si c'était une question. Excusez-moi. OK. Est-ce que tout le monde fait mal sur maladie? Ah, moi-même, quand je réponds de manière affirmative, tout va faire mal comme étant maladie. Pour qui raison obligé de dire, c'est que, en fait, lorsque mon ami est réglé, il est évident, dans certains cas, pour mon ami développer douleur pelvienne et même abdominale. Ok, là, c'est dans la période règle. Ok, mais en dehors de règle, quoi parler avec vous? Ok? Quoi pas la voix, lui dit, ça ne marche pas. OK? Façon que miel n'a pas bien. Et des fois, quoi manifester par une douleur. Douleur qui a divers côtés. Donc, si n'a pas eu de votre faire mal, son douleur au niveau abdomen. Et seconde douleur au niveau abdomen, non, c'est quoi dit? Il n'est pas qu'à supporter encore situation que la vive là, ou doit porter une action, ou doit porter un élément de changement. Donc, oui, toute douleur, les. En dehors de règles, surtout si c'est pas ton habitude déjà pour nous avoir des dysménorrhées. Donc, toute douleur, ça y est, ou bien soit dans la cavité abdominale, ils sont alertes qui disent que vous avez une maladie qui développe déjà ou bien qui a développé. Et ceci, on nous dit par exemple, on nous dit que si vous avez votre mal, c'est en bâti votre cap fait le mal. Donc, si son fiquelier, donc on va plus qu'il poser cette question si ce n'est pas ouvert. C'est pas ouvert qui a bal douleur là
si ce n'est pas utérus qui produit douleur, etc. Ce n'est pas dans la trompe de Fallope là, ou doule, bah, qui bat douleur. Mais en général, depuis que vous avez fait mal, vous avez médecin bâti votre laissez-moi pas poser question si son garçon, si ce n'est pas un, comment dirais-je, si ce n'est pas prostate qui a développé, etc. En fait, là, je dis prostate, non, prostatite alors. Prostate là, son organe normal, mais prostatite ou bien l'autre pathologie que vous avez développé dans prostate là, capable de faire des douleurs en bâti votre. Pour ne pas citer douleur ça seulement, il y a douleur qui généralise dans votre monde. Peu importe la douleur la manifester dans votre monde, moi personnellement, avec information que nous avons déjà dans le domaine médical, on va dire oui, pathologique. Ils sont pathologiques, automatiquement, des bougain douleur va te faire mal. Bon, Asma, moi, je vais ajouter quelque chose. Bon, je vais dire oui, douleur en bas, comment va te faire mal? C'est un malade. Nous allons dire c'est un qui est capable comme si c'est cause bien ou qui est capable comme si c'est signe de plusieurs maladies de on comme si et un paquet de maladies qui est capable d'endométriose qui est capable son l'autre maladie si c'est gars si c'est gars garçon on te dire comme si il est capable son maladie qui gien rapport avec prostate li bon oui votre faire mal li ca lycée yon maladie ou bien c'est capable un symptôme de plusieurs maladies capable déboucher avec plusieurs maladies une fois que quoi boit alerte Jean Josil dit hein, une fois que quoi dit comme ça que li gon bra qui pas bien ou senti comme si senti votre fait mal ou pas supposé te garder ou supposé ben croyant réponse bon et bon par contre c'est une question quoi étant que t'as fait nous la guerre on était capable de dire et m'te capable di émission pour jodi an li rive nan bout li pou aswaya et nou vle profiter remercier chaque grain internaute nou yo merci en pile merci spécialement avec ou même qui t'a suivre qui t'a interagir pendant émission an merci parce que nous te répond présent aswaya et merci tout pour connaissance ou te partager avec nous. Et samedi prochain, nous promettons que nous continuons à parler sur le sujet santé femme et nous venons le thème, le sujet qui est plus belle toujours. Nous invitons pour toujours être connecté avec nous, suivre nous sur tous les réseaux sociaux, nous, Facebook, Instagram, Twitter et channel YouTube. Nous. Et nous profitons de publier une excuse parce que spécialiste nous avons bien assuré qui c'est docteur Samuel à cause de problèmes techniques d'assemblée qui fait que il pas capable rejoindre nous ensemble avec rejoindre assuré pour être capable décortiquer plus sur maladie ça et nous espérons l'autre fois encore n'a bien pour nous rejoindre encore côté que n'a pas parler plus largement sous maladie ça et même l'autre maladie encore. Alors Josil m'a connait c'était mon dernier mot ou t'a dit avant que nous aller. Ah ben tout dernier mot que nous t'a dit avant que nous aller nous vraiment satisfait du public là qui est avec nous hein, qui montre que est fidèle de manière religieuse avec nous. OK qui est toujours présent et non seulement au présent il partage la vie, il like et puis il permet à ce que y ait plus monde qui connaît. Le travail ça qu'a fait là nous féliciter tout le monde qui t'a posé question autour ça fait que nous ça ne t'oublier dit au père nous dit autour qui permet à ce qu'il y ait plus monde qui connaît plus et travail ça qui continue fait là parce que c'est eux même qui permettent nous continuer faire parce que sans eux agence pas tab ça que les jeunes aujourd'hui hein espace santé vie pas tab ça que les jeunes aujourd'hui hein un pile love pour eux tant comme dans la réalité carabi nous sont pas qu'être bon bagage donc quand même bon côté nous et nous dit merci félicitations. Donc, à part de ça, vraiment, oui, vous êtes capable de continuer? Non, mais parler. OK. Donc, à part de ça, nous voulons remercier et féliciter tout effort que le docteur a fait pour être capable de rejoindre nous tout à l'heure. Malheureusement, ça n'a pas gagné lieu. Nous vraiment regrettons. Ce n'est pas vraiment faute lui, mais nous vraiment remercier et féliciter tout travail que lui-même lui fait pour qu'il soit capable de préserver. Nous espérons une prochaine fois que la va avec nous. Et une fois que la va avec nous, laisse ça, nous va satisfaire sérieusement. Donc, c'est ton plaisir pour qu'il soit capable ensemble. Et nous souhaitons que nous toujours été fidèles avec Espace Santé et Vie, même si Espace Santé et Vie, lui était fidèle avec le public. Là. Et
Pa bliye rete konekte sou WebCov TV, kote ke gen pilot emisyon ki pase, a savo nou gen ambassade Haiti ki pase chak jeudi, e nou gen Germain Haiti ki pase chak vendredi depi l fè 9h nan aswe, nou gen Ricanalize ki pase chak dimanche depi l fè 10h nan aswe, nou gen emisyon Tikoze ki pase chak dimanche depi l fè 3h nan apre midi. Et nous gain espace santé côté que n'a bien chaque samedi dans l'heure ça et sous plateforme dans WebCov TV et n'a bien rediffusion chaque lundi dans même l'heure. Bon quant à pour Kounia, quant à pour nous-mêmes émission espace santé et vie à ba nous rendez-vous pour samedi prochain dans même l'heure pour l'autre pi belle émission encore. C'était moi-même Asmara Saint-Thil qui t'a présenté nous à Soya accompagné de Josil Lovski. Moi souhaite nous passer un très bon week-end, une très bonne nuit. Nawe dans une prochaine émission. Bye. Ou ta remè kondro ak devò nan zafè la santé, ou ta remè viv an bonn santé ou byen, ou ta remè proteje tèt ou fanmi ou zanmi ou vwazinaj la priyè, byen kompran devan, vin diskite ak nou nan espas santé e vi. Yon emisyon ki patrone pa AJAS ki se Asosyasyon de Jwen Haitien an Siyans de la Santé, ki pase sou bi gro televizyon dijital nan mouman ki se WebCov TV. Chak samedi soti 8h nan aswe le peyi Brezil ak 6h nan aswe le peyi d'Haïti e la prepase chak ledi nan menm lè. Espas Santé et Vie, se emisyon PAM. Se PAM, se PAM tout. On vive la santé, nou yon bel espas santé.